Salut YouTube! Bah écoute, on est reparti, c'était la fin de la campagne. Je sais pas si c'est toujours la campagne ou si là on est parti en mode sandbox. Je sais pas trop. Ah! Comme je plains les ouvriers! Et ben voilà, il y a plus. Quand je pense à leurs conditions. Ils sont chiants. Tous les débris qu'il y avait dans la flotte, hein, suite à l'immense et, que dis-je, légendaire bataille navale tenue de main de maître, hein, bien sûr, par votre serviteur. Il y avait plein de débris avec des loots, ceux que j'avais bien sûr embarqués à juste titre sur mes bateaux, donc je me suis servi, hein, j'ai bien eu le temps de m'en servir en tout cas, j'avais plein d'items actifs que j'ai utilisés. Merde. Et du coup en fait ils ont tous coulé là, voilà. Donc c'est bien finalement. Voilà, retour à la mer, là où je les ai trouvés. Une main de maître. Il pourfendu la mer en deux. Pourfendu. Du verbe pourfendaire. Pourfendré. Qu'est-ce que c'est? On peut plus rien stocker. Oh bah ouais. C'est une honte. La meuf est vénère. On peut pas stocker. Attends, mais attends, calme-toi quand même. Pourquoi tu dis ça, Martine? Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, si t'es pas contente, éventuellement on va te rajouter un petit dépôt. On peut pas te rajouter un petit dépôt, Martine? Tu serais contente si je te mettais ça? T'aimes bien ça? Ça va, Martine? Tu écoutes bien le disque? Voilà, t'es contente? Merci. Je vous laisse pour ce soir, bonne soirée les copains. Merci beaucoup encore je te tiens au jus. Si tout se passe bien, le déménagement on le fait le 18, 19, un truc du genre, donc si on peut se voir avant... Ben voilà. Un de vos navires on essaiera de se voir avant, je t'en reparlerai. Merci encore en tout cas. Puis passe une bonne nuit. Des bisous à ta douce. J'ai pas besoin de te demander d'en faire, mais je veux dire, de ma part, je veux dire. Faut-il vraiment que je précise. Bon vent vous amène. Ouais, là aussi c'est full, merde. Ah ouais, attends. Bah dépôt, c'est parti, encore du dépôt. Hein. Pion, pion, pion. Vous ne perdez rien pour attendre. Ah, j'ai détruit un tenirier, je savais même pas qu'il y avait des navires à détruire. Votre navire amiral, perdu. Ah ouais. Voyons ce que je peux vous trouver. Comptez sur nous. Oh ouais. Donc c'est à moi ça maintenant. Oh. L'avenir, préservez votre navire amiral. Les réparations coûtent cher. Ah ouais, l'enfer, putain. Du coup en fait tout ça. À l'avenir, préservez votre navire amiral. Les réparations coûtent cher. Aïe 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 aïe. Du coup en fait... Oh là là, ouf. Attirer un Bright Sun 500 ingénieurs. Ah oui, c'est là que je dois le faire en fait. Mm-hmm. D'accord, je comprends mieux. Donc dans le Clipper. Ouais. Dans le Clipper, j'envoie tout chier ici. Je mets plein de planches. Je mets plein de briques. Qu'est-ce qu'il me faudra d'autre? Du métal? On a toujours besoin de métaux. J'attends un défi à relever. Donnez-moi un truc à descendre. Tu m'as pas dit pour la marque dièse ou alors je l'ai mal lu, je suis désolé. Vous parlez beaucoup ce soir, c'est chouette. Mais du coup j'ai pas le temps de lire. J'essaie de me concentrer un petit peu. Ce genre de jeu, en fait, de jeu de stratégie où il faut réfléchir et gestionner. Quand en plus tu te fais spammer par la map, enfin par le jeu lui-même, j'essaie un petit peu plus de me concentrer. Sinon, en fait, je fais que de la merde. Alors, on l'a vu sur Tropico. Tropico qui est un peu plus, je pense, difficile à gérer en général. En tout cas, c'est plus naturel, on va dire. C'est plus facile de s'en sortir quand tu connais pas le jeu. Alors que Tropico. Ça va vraiment dans tous les sens, hein. Faut tout gérer à la fois. C'est sympa, mais différent. Une nouvelle commande?
sans macro, elle. Ah, la petite bague rouge là, c'est ça? J'attends un défi à relever. Bim. Donc là, ici sur Steel, j'ai plein de choses. Et maintenant, je vais pouvoir rebâtir les choses. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on va rebâtir dans le bon sens. On va essayer, on va essayer. Alors là, je sais pas trop. Oh, vous le croyez, ça? Donc là, on a une série. On a une série. J'imagine qu'il y avait pas loin. Un fourneau, on s'en fout un peu. S'il y a une série ici, ça veut dire que... Brasserie, bah quoi? Ils ont foutu des brasseries comme ça, en plein milieu de nulle part, genre relié à aucune route. C'est un puzzle, en fait, il faut refaire toute la ville en imaginant où étaient les routes. Où quelles sont les routes? Ah, je viens de comprendre. En fait, il ne reste que les routes pavées. Les routes normales, elles ont cramé. Parce que les routes en terre, c'est normal, ça brûle, hein. C'est le premier truc qui brûle, hein. C'est bien connu. Hein. C'est bien connu. Attention d'ailleurs, hein, quand vous marchez sur... C'est une route en terre battue. Attention, vous pouvez prendre feu. Hein. Immédiatement. Véridique. L'ouvrier est satisfait. Regardez cet ouvrier comme il est satisfait. Là, il faudrait une route. Voilà, il faudrait une route. On lui dira. Une petite série, qu'est-ce que c'est ça? C'est un grand entrepôt. Wouah, la vache, tout ce qu'il faut pour... Ouais, on va attendre, hein. De plus de bras. Oh, bah oui. Bah merde. Oh, ça va être rigolo, hein, comme défi, je pense. Ça se trouve, la technique, en fait, c'est pas du... Ça se trouve, faut vraiment de repartir de zéro. Mais j'ai envie de dire... un peu mes tours de magie pour nous. Un pacte de non-agression. J'ai bossé un peu de mes tours de magie pour nous. Oh. Pacte de non-agression. Ouais. Oui. Des bisous, Shiner. Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, il faut un entrepôt. Quoi, la route? Pas forcément une route haut de gamme, hein. Accès à aucun port? Quoi? Mais si. Et là? Ah, là, t'es juste pas content maintenant. C'est bon. Alors, il va falloir reconstruire. Déprime. On passe de prime. Il y avait un marché quelque part. Il faut que je retrouve le marché. Où est-ce qu'il pourrait être le marché? Oh, c'est l'enfer ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Ça, c'est une école. Bah, à quel moment ils ont mis un marché quelque part? Ah. Maintenant, chantier naval, très bien, non. Dépôt, non. Dépôt, non. Réparation, non. Je cherche des pêcheurs. Des pêcheurs. Grue de réparation, mais il y a que des grues partout. Il y a des chantiers navals. Des chantiers navals ou des chantiers navaux? Naval. Ah merde! T'es sérieux? Oh là là. Ça marche pas ?
Quoi ? Non. Non. Zone côtière vacante nécessaire. Partie sauvegardée. Alors là, je comprends pas. Mais. Bah. Pourquoi je peux pas construire ? Vous êtes mon meilleur élève. Et puis le seul aussi. Je suis peut-être ton seul ami aussi, hein. Donc Bah merde, les gars. Comment je fais ? Bah, je me sens foutu là. Ça pourrait être pire. Oui, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux aussi, hein. Mais tu penses pas ? Ouh, je sens que je vais tout détruire et je vais tout recommencer. Hein. Allez. C'est bien dommage. Tant pis pour le port du papounet. Parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Vous avez perdu un bonus. Attendez, je vais regarder aussi au niveau des boîtes de concert, qu'est-ce que ça donne du coup ? Oh, que la grâce. Ah, ça y est, ils en ont. Maintenant, on pourrait éventuellement faire des machines à coudre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des machines à coudre ? Oh là là, encore une mine de fer, une mine de charbon. Si j'ai une deuxième mine de fer, je le fais éventuellement. Sinon, non. On manque du matériel nécessaire. Tenez-vous droit, on nous regarde. Pas compris. On a du calcaire. Je sais toujours pas à quoi ça sert le calcaire. Peut-être sur la prochaine étape. On verra. Vous avez perdu un bonus d'influence. Il en est loin de la progression de ce jeu. Ça commence, hein. Je crois que ça commence à être pas trop mal, ouais. Salut Darky, bienvenue. Là, ils disent que je viens de terminer la campagne. Mais je pense qu'on est reparti sur une autre facette de la campagne, en fait. Allez, on dégage tout. Qu'est-ce qu'on a sur cette île ? On a du blé, on a du houblon, la fourrure et du riding. Du riding ? Je viens de comprendre, il y avait un marché ici, un marché à gauche, un marché à droite, un marché en haut, très certainement. Ah, on peut faire ça tout simplement. Ça, on s'en fout un petit peu, on va mettre tous les pécores, on va les mettre là, je pense.
Et bouillard. Nous sommes en présence d'un virtuose. Ah bon ? Merci Dunky. C'est le mode bac à sable campagne, je pense. C'est le mode on va arrêter de me les briser toutes les deux secondes, ouais, pour des quêtes nulles peut-être, ça sera pas mal. Quelqu'un de spécial vous attend dans votre port ? Ouais, vas-y, dis-moi si c'est qui. Ah, c'est gérant de pub ! Gérant de pub ! Bonjour madame la gérante de pub. J'espère que vous savez bien gérer un pub du coup. Si vous êtes une gérante de pub. Y'a quoi pour savoir gérer un pub ? On remarque très. Enfin, ouais. C'est pas si mal en fait. Virtuose égale gérant de pub, ouais, ouais. Faut savoir le tenir, hein, le mec bourré, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Université, artisan, il m'en faut 1500. Mais à quoi ça sert les artisans ? En vrai, à quel moment tu utilises des artisans ? C'est rare. J'ai l'impression que c'est vachement rare. Les artisans, en fait, ils se la coulent douce, vraiment. Parce que même l'hôpital ne requiert pas d'artisans. Ça ne requiert pas d'artisans. L'usine de machines à coudre. Bien sûr. Mais le problème, c'est que ça demande aussi autre chose, quoi, derrière. Ça demande autre chose. Ouais, ça demande autre chose. Donc, j'ai envie de dire, allez. Il y a un truc qui se passe pas bien ici, là. Il y a vraiment un truc qui part en couille ici. Mais je sais pas ce que c'est. Ça n'a pas d'acier. Il n'a pas d'acier. D'accord. Donc ça crée de l'acier. D'accord. Oh, il n'y a plus de charbon. Oh, bordel de merde. La charbonnière qui était morte. Tout simplement. Eh oui. Ah oui, bah oui, ça, forcément, ça marchait bien. Ça marchait pas bien, quoi. Dur. J'ai presque envie de dire, on va fermer... il faudrait éventuellement fermer la fabrique d'armes. Pour nos usines d'armement. Limite fermer l'usine d'armement et à la place. Parce que les armes on en a plein. Comment je peux pas genre juste dire s'ils posent. On est sur des charbons ardents. On part sur un charbon ardent donc. Ouais, on a plein d'armes et tout. Dans le doute, je vais faire ça. Dans le doute, je vais faire ça. Faites-moi des trucs de ligne là. Énorme. Si vous en voulez pas, partagez. Non. Vous avez tourné le dos à votre famille. Et à moi. Et encore pire. Je pense qu'en fait, ils ont fait exprès de mettre des mecs ultra chiants. Ils ont fait exprès. C'est juste pour... Colonie plaisante. Yes, merci. Ils ont fait juste exprès, je pense. C'est ça que tu sois à bout à chaque fois qu'il y a un mec qui vient de te parler. Y'a mode multi dans le jeu, je crois bien, ouais. Carrément un toilette de ressources, une demande aléatoire, un truc du genre. Alors ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais je suis quasiment sûr, on m'a proposé de faire du mode multi. Je t'avoue que c'était pas trop mon... C'était pas trop dans mon intérêt, spécialement au départ. Jardin à fontaine. Eh putain, je vais faire un truc stylé. Statue commémorative, esplanade, attends. Entrée large. Quelle est la différence entre ça et l'autre ? Attends, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais le faire maintenant parce que j'ai envie. Ok ? Dis Louis vite.
Du coup, ça sera pas. J'ai fait le con. 4. 4, c'est bon. C'est prêt à partir sous presse. Ça part en presse. Ça part en prod. Parfait. C'est se faire le miroir. Ferme-la, Rouflaquin. Ferme-la, Rouflaquin. Rouflaquin, merci. Partie sauvegardée. Peut-être personne n'a-t-il revendiqué cette île ? Non, mais je pense que non. Faut arrêter de me saouler en fait. Je crains de déshonorer mes ancêtres. Ouais. On y voit mieux quand même, hein ? On y voit un peu mieux. Ah. Je peux comprendre, mais après une certaine maîtrise du jeu, ça se tombe pour le fun, t'as déjà testé. Ah non, non, non. Non, mais je suis mauvais sur le jeu. Donc j'ai aucune maîtrise du jeu. Donc non, je n'ai pas testé. Sinon, je t'aurais dit comment ça se... Si j'avais testé, je pourrais y répondre, du coup, à ta question. Mais là, en l'occurrence, non. Désolé. Est-ce que c'est les mêmes ou pas ? Ouais, c'est un peu les mêmes quand même. C'est pas très beau du coup. Je trouve l'interface par contre est vraiment très grande. C'est dommage qu'on puisse pas la réduire un petit peu en termes de taille. C'est vrai, je pense que ça c'est le plus important ce que je suis en train de faire. Je sais pas, j'ai envie que ça soit joli, alors je me fais chier. Au moins ça sera fait. Là, et je vais faire encore une nez d'angle. Salut Bresca! Salut les copains! Comment ça va les potes? Ah voilà! Donc maintenant on peut mettre plein de pécores à côté. Là on a les Champs-Elysées. Maintenant on peut mettre des fermes nulles à côté. On est bien. Ils ont vraiment fait des putains d'autoroutes là. Hein. Quel est l'intérêt de mettre une double route? Salut les potes! Comment ça va? Bref, après une fois dedans et agrippé pour la compétition, ça reste des jeux jouissifs dans la matière, mais tellement difficile à atteindre en portant de zéro, sans mode qui en plus t'amène à être chaud. Ah oui, 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 je suis d'accord. Mais c'est pour ça, déjà en mode solo, c'est. J'ai pas envie de me mettre la pression moi, dans ce genre de jeu. Je sais pas vous, mais. J'ai pas trop envie de me mettre la pression, je trouve ça bien. Donc justement, voilà, prendre le temps de faire des petits trucs comme ça, moi j'aime bien. Prendre le temps de faire. D'optimiser, de faire des jolis layouts et tout. Salut Dawid! C'est quoi cette voix quand on a débarqué? Je sais pas, j'ai mis. Ah, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont 894, c'est dans Stupéflip. Oui, c'est ça. C'est une rêve de Stupéflip.
On enjoy les moritos et les petits tunnels sur DBD. Les moris, c'est quoi les moris? Et le tunnel, je sais pas. Oh là là, mais j'y connais rien du tout. C'était pas. C'est quoi? Ça a l'air d'être chiant en tout cas. Ça a pas l'air dingue. Juste le nom, ça a l'air nul. Ça déborde de partout. What's that she said? Attends, la route? Ah oui, la route. Faut que ça soit relié quelque part quand même. Ouais. Bah tiens, je te fais une petite route nulle là. Puis une autre route nulle là. Et là, c'est bon, t'es contente? Le tunnel? Ah oui, tunnel vision, d'accord. Et le tunnel, c'est quand le tueur décide de chasser que toi tout le temps. D'accord. Oh, c'est un connard, quoi. Tu peux aussi le dire comme ça, je pense. C'est relou. Le mec est relou. Merci, Dawid. Bienvenue. Pour ceux qui me connaissent pas, bon, ça peut arriver, hein. Je sais, ça. Je sais, c'est fou, mais... moi, je m'appelle Aishu. On fait de la musique tous les après-midi, on fait du jeu le soir. Voilà. J'ai envie de partir sur un nouveau layout. Ah non, bah du coup, non, mon layout est nul à chier si je le fais comme ça. Ouais, ça c'est de la merde, ça, par exemple. Hein, pourquoi je me base sur ce qu'ils ont fait, eux? Je vais faire un truc propre. Je vais faire un truc comme... Mais oui, il est cool, Aishu. Comme ça. Alors attends, tu viens de dire, mais attends, t'es en train de faire de la merde. Mais oui. Mais attends. Pas tant que ça, en fait. Voilà. Et comme ça, ça me fait un petit espace. On a testé, c'était pas si mal, en fait, de faire ça. Comme ça, je peux mettre... Alors, je vais pas mettre ça, c'est dégueulasse. Bim bim bim. Là on a un truc, c'est pas mal. Et le Mori, ça permet au tueur de te tuer directement sans avoir à t'accrocher trois fois. Donc le fun, d'accord. Moi je crois que c'était Morito, moi. Donc non, c'est pas plutôt. C'est pas vraiment ambiance Morito, quoi. Ouais, je comprends du coup. Nul. Ah, c'est pas ambiance Morito alors, Dead by Daylight, c'est pas. Ah d'accord. Je l'ignorais. Non, je vais m'arrêter là. Je bloque les paroles, Nagui. Et à l'intérieur, bah, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. Je vais mettre des petits jardins, là, des petits trucs. On va faire un joli petit parterre de fleurs. Ah oui, non. Quoi? J'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ça fait un truc chelou? Ça fait un bruit chelou? Les choux d'amido. En fait, c'est pas vraiment les hôtes que j'apprécie, ça. Je crois que je vais virer tout ce qu'ils avaient essayé de faire. C'est de la merde, tout simplement. C'est de la merde. En même temps, c'est pas mal aussi de varier, hein, parce que là, on a toujours les mêmes trucs. Parce que là, regardez, bon. Vous pourriez être en train de me dire, ouais, mais attends, là, tu nous casses les noix et tout. Oui, mais là, regarde, on était parti vraiment de manière à l'arrache, et là, je suis obligé de bouger tous mes bâtiments parce que regarde, mon zoo, il est à côté d'une plantation de patates, d'un champ de céréales nul, et il y a des fermes dégueulasses juste ici. Donc, au bout d'un moment, tu vois, je me dis, ouais, je vais essayer d'optimiser direct cette fois-ci. Ok, on a des machines à coudre, par contre, on est en rate de bière, et ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. Ce serait un honneur. Ferme-la. Qu'est-ce qu'il a? Oui, ok. Ah putain, je croyais que c'était le même gars, regardez. Lui, tu lui enlèves sa moustache et son petit bouc dégueulasse. Et en fait, non, c'est pas du tout le même. Voilà, je croyais que c'était lui en fait, en plus propre, tu vois. Et le fermier. Ah non, le fermier, c'est une fermière, donc ça marche pas. Stéphane Plaza, il chute. Pas mal. Casse des trucs à chaque épisode. Bon, Stéphane Plaza, il est pas vraiment connu pour casser des trucs. J'allais dire un truc méchant, mais. Pénurie de main d'œuvre. Et dans 17 secondes, on a fini deux bateaux de ligne. Ça, c'est beau, ça. Ouais, pénurie de main d'œuvre, si tu veux. Allez, pas de problème.
Il doit manquer 3 connards, mais bon, ils peuvent pas. Ils peuvent. Voilà, faut toujours que j'intervienne, sinon les gens sont perdus. Hein. Navire construit. Ah oui, putain, au centre aussi. Ouais. Navire construit. Pourquoi je peux pas? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce merdier là? Ah, peut-être que je pourrais faire un truc plus sympa, c'est-à-dire. Partie sauvegardée. Ah, mais non, c'est pas si mal en vrai. Alors attends. Oh, attends, oui, attends, je vais te faire un truc. Ambiance paysagiste, cascadeur paysagiste. Je vais te faire un truc. Attends. Un, deux, trois, quatre. Bim. Et regarde. Là, c'est en train de venir beau, là, mais attends, un truc. C'est beau. C'est beau ce qu'il fait avec ses arbres fruitiers. Ok. Rien. Attendez, je vais zoomer un petit peu parce que, bon, ceux qui sont en 160p, déjà ils pleurent tout le temps, que les pauvres. Là on est parti sur un bon délire. Parce que je sens qu'ils vont arriver au bout d'un moment et me dire oui, les ingénieurs ne peuvent venir dans votre vie que s'ils sont attirés parce que voilà, c'est joli ou je sais pas quoi. Donc je sens venir la Boostify. Ça ne veut rien dire. La Boostify, n'importe quoi. Je sens venir l'enculade, voilà. Je sens venir l'enculade tout simplement. Où au bout d'un moment ils vont me dire oui mais il n'y a pas assez d'attrait dans notre ville, du coup on peut pas venir, gnagnagna. Du coup faut réfléchir avant à comment embellir le truc. Avant même tout ça, quoi. Donc là, je teste une fois, je fais un truc type. Et après, on verra. Il y a de l'idée, quoi. Petite statue ici nulle. Petit jardin que j'ai pas la place. Et puis voilà. Un petit banc de jardin. Et après on met des vrais jardins. Des vrais jardins, un petit parterre de fleurs, un petit jardinet. Puis. Un petit puits. Non, faut pas déconner quand même, ça c'est vraiment pécor ça. On met pas de puits. Un incendie, un parterre de fleurs. Parterre de fleurs. Et bim. Qu'est-ce qu'on a là? C'est pas mal là. Ça donne envie, non? Après quand il y aura des immeubles autour, on sera bien là. Voilà, après on couvre de béton partout et puis c'est bien. Excellent. Mais ils peuvent rentrer sauf dans le milieu. Ils peuvent rentrer. Mais ils peuvent rentrer que. Mais non, mais après, voilà aussi. Putain, mais oui, il a raison. C'est vrai que c'est nul. Voilà. Alors, monsieur a déjà taillé un arbuste dans sa vie. Alors, monsieur, pour l'ouvrir, est à juste au titre. Super. T'en as d'autres des remarques pertinentes comme ça? Oui bah voilà, là ils peuvent rentrer. Non ah, c'est bien là. Je sais que t'étais paysagiste, pour ça je te dis ça. À juste au titre, c'est ce que je dis. Tu fais des remarques pertinentes et à juste au titre. Oh, c'est beau. Oh, putain, et petit jardin là. Alors attends, toi qui étais paysagiste. Parce que l'autre jour j'ai entendu un truc à la télé et la meuf disait oui voilà il y a deux types, jardin à l'anglaise et jardin à la française, et je suis sûr qu'elle s'est plantée dedans. Et en gros elle a pris deux exemples, elle a pris un mec avec les cheveux touffus et un mec genre bien coiffé, bien taillé. Et du coup elle a dit bah, lui par exemple bah, clairement vous avez un jardin à la française et vous avez un jardin à l'anglaise, et je suis quasiment sûr qu'elle s'est gourée. C'était pour elle voulait faire sa maligne et puis en fait elle s'est complètement plantée. Jardin à la française, c'est comment?
Et comparé à la journal anglaise. Vous avez le temps que vous voulez, je m'en fous. Et là, normalement, si je suis pas trop nul. Alors. Ah, je peux copier comme ça? Attends. Oh, ça va être nul. Attends. Bon, la première fois, je vais aller regarder comment les commandes. Oh, ouvrir les réserves, on peut appuyer sur K direct. Oh, changer d'apparence, quoi? Quoi? Comment ça, changer d'apparence? Comment ça? C'était quoi? Mage J? Merde. Mage V? Non, ça marche pas trop avec ça. Peut-être avec ça? Non. Peut-être avec ça? Peut-être avec le jardin. Le jardin. Marche pas du tout. Bon, ça doit pas marcher avec tout, non. Peut-être avec une ferme? Oh putain! Incroyable! Ah oui, d'accord. À l'anglaise, c'est plus. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Et du coup, elle a dit de la merde, bien sûr. Elle a dit, lui, il est bien coiffé, bah voilà, c'est à l'anglaise. Et l'autre, il est tout fou, c'est un journal français. Et là, genre. Mais non, c'est l'inverse, en fait. Enfin, du coup, ça n'a aucun intérêt, ta chronique, meuf. Si t'essaies de prendre un truc, puis en fait, t'apprends genre de la merde. Du coup, comment ça se passe? Ça ne sert à rien, c'est ce que je... Oui, voilà, ça sert à rien, tu ne sers à rien, madame. Avec mon respect, tout mon respect. Faire pivoter, attends. Donc, ok, améliorer tout. Mage U. Ah oui, d'accord. On peut mettre des... On peut enregistrer des caméras avec CTRL F et après la caméra qu'on veut. Ça, c'est pas mal, ça, c'est vraiment très strat, quoi. Tu peux faire ça dans StarCraft, tu peux faire ça dans plein de trucs, tu peux faire des groupes, ok. Oh mon dieu. Genre par exemple, attends, si je comprends bien, je peux faire un petit contrôle 4, c'est ma quatrième île. Ah, je sais pas si ça marche avec les bâtiments. Contrôle 3. Et contrôle, genre mettons 2. Et là si je fais 4... Hein, ça marche pas. Bon, par contre, je peux faire CTRL F1. Je vais faire un CTRL F3 ici. Et un CTRL F2. Là. Ah merde! Ah oui, ça a cramé, j'ai pas mis d'incendie de caserne. Attends, excusez-moi les potes. Ah oui, je comprends mieux pourquoi il disait tout à l'heure. Votre ville s'est embellie. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est plus joli sans les ruines. C'est sûr. Et donc là, je fais F1. Ah, c'est extrêmement chiant. F2. Mais c'est pas ça. Et F3. Et F3, ça sert à rien. Attends, quoi? Je suis bloqué dans la caméra. Je suis bloqué dans la chaise, mais ça marche pas du tout, en fait. Ça marche pas du tout, en fait, ton truc. Allez, la position. Mais quel est le... Parce que pour aller à la position caméra 1, c'est F5. Ah, c'est tout décalé de 5. J'ai fait quoi tout à l'heure? J'ai fait CTRL F1. J'ai fait quoi du coup en faisant ça? Ça va à rien. Okay. Faut le savoir alors. Donc, CTRL F6. CTRL. Vous avez franchi une nouvelle étape. Ah, vous avez utilisé des raccourcis. Bravo à vous. CTRL F5. Et là, du coup, je fais F5. Ça marche pas du coup. F6. F7. Pratique du coup ça. On va moins se faire chier. F5. Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là. Oh là là. Mais c'est pas ça que je voulais faire, en fait. Je voulais faire un autre truc. Je voulais faire... Y a pas... Pour la pipette, là, y a pas un... Résidence, une route, une rue... Mmh. Bon, j'ai pas, tant pis. Tous les résidus de route? Ouais. C'est juste, c'est extrêmement chiant en fait. Faut cliquer bien comme il faut, sinon.
Après, ça peut me donner des petits points de repère. Au pire, on s'en fout. Donc ici, c'est quoi la prochaine étape après? Je vais tout refaire depuis le début sur cette île, elle est tellement vaste, tellement énorme. Je sens que je vais repartir depuis le début, c'est pas mal. Je vais faire d'autres bois, je vais en faire d'autres. Qu'est-ce qu'ici qu'on a? Ah donc, oui, la pêcherie. Est-ce que cette fois-ci je peux construire? Oui, c'est bon. T'as toujours été du genre rusé, toi. Je vais faire les entrepôts tout de suite. Les dépôts, pardon. Ok, parti. Tac, tac, tac. Donc ça, ils vont avoir de la bouffe. Tout le monde est content. Ils veulent de l'eau de vie. On va faire des grosses... De la bonne grosse ferme à patates. Par ici. Par là. Faut que je relie tout ça. Alors, avec une route dégueu. Super, Yo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi tous ces bouts de route? T'as construit un circuit pour une école de conduite? Non, en fait, ici, il y avait une énorme ville. Et elle s'est fait cramer la gueule par les pyrophoriens. Si tu ne sais pas qui sont les pyrophoriens, je t'encourage à aller regarder les VOD sur YouTube. parce qu'on est assez loin finalement, donc il y a une petite historiette, machin, très sympa. Les entrepôts sont submergés. Ah bon? Il faut faire quelque chose. Vite, d'autres entrepôts. On peut faire ça aussi. Ça c'est cutain ça. Bam, comme ça ils pourront continuer à faire des trucs. Ah banco, je vais y aller. Non mais en gros voilà, c'est des connards, on joue, c'est des plus ou moins des pirates qui crament tout. Voilà, c'est des pirates qui crament tout. Du coup ici avant il y avait notre père qui est maintenant aux cieux. Que son nom soit sanctifié ou pas, on s'en bat les couilles en fait. Sans entrepôt, on va pas aller loin. Ah mais ça c'est sûr. Il te fout de ma gueule, il y a pas un entrepôt là. En tout cas, il y avait notre père qui est mort. Je dis notre parce qu'en fait, il y a une nana aussi, c'est notre sœur. On arrive, en fait, c'est le début. On est sur les îles, je sais pas où, dans le Nouveau Monde. On se fait rapatrier parce que le daron il est mort. Et puis en fait, on se rend compte que c'est notre oncle qui est un gros fils d'up de première qui a plus ou moins manigancé je sais pas quoi avec je sais pas qui. Notre père était mort en fait. En prison, soi-disant suicidé, mais en fait il s'est fait buter. Et en fait, un trafic pas possible avec des pirates qui ont vendu une île de je sais pas quoi, je sais pas qui. Et du coup, ils arrivent et à la fin, ils crament tout ici. Voilà, bam. Et du coup, là, on reconstruit tout de zéro, mais ou plus ou moins, parce que là, j'ai enlevé toutes les ruines. Il reste quand même les routes pavées, quoi. Voilà. Tu me donnes envie d'y jouer jusqu'au pour le côté joli. C'est vrai que c'est beau quand même. Hein. Je vais les faire ici là, comme ça, des belles grosses fermes là. Des bonnes grosses fermes là. Genre sur le littoral. Les bonnes fermes de patates. On va faire tout l'autour. Attends, je vais faire un truc, je vais essayer d'être propre. Je vais essayer d'être propre jusqu'au bout. Je vais faire quand même une. Délimiter parce qu'on n'aura pas besoin de toute la place. Donc je vais faire quand même, je pense, au côté touristique. Il me faut un petit truc de... Des trucs quand même de... Un petit chemin de rando, quoi. C'est quand même la moindre des choses. On se
faut penser aux randonneurs. On pense pas assez aux randos. Je vais avancer sur Portia. C'est quoi Portia? Un plus à l'eau du coup. Bonne nuit. C'est quoi que je veux construire? Partie sauvegardée. À la fin, je fais des screenshots. Ah, bah, faut pas que tu joues à Cities Skylines alors. Oui, c'était ça, l'eau de vie. Alors, l'eau de vie. Ah! Putain, j'en étais sûr. Bon, ben on. Merde, ça veut dire qu'on va devoir faire full patate là-bas. Parce qu'ils ont pas. Y a pas d'autre vie possible ici. Donc là, il va falloir que je bourre les patates ici. Je bourre les patates. C'est même pas pour avoir que je bourre les patates. Je vais faire une corporation. Une corporation parce que j'ai vu qu'il y avait une nana qui gérait les trucs de patates. Alors je vais faire une corporation. Et tout autour vous de la corporation. Gagné un bonus d'influence. Ok. Ok, je vais mettre un petit entrepôt. Attends, contrôle V. Non, attends. Mage V. Non, il n'y a pas d'autre truc. Cette ville est un aimant à génie. Moi, je peux bourrer le truc de patate. Affecte l'exploitation de pommes de terre, productivité moins 15%, quoi. Mais comment ça, productivité moins 15%? Ces tubercules peuvent. Attends, quoi? Ces tubercules peuvent vous permettre de cultiver des champs de pommes de terre en terre étrangère. Oh, wow! Ah non, comment je fais pour l'enlever? Oui! Allez, ça dégage! Non, mais c'était une mauvaise idée. Au revoir! Salut, Kubilou! Ça va et toi? Ça va nickel, ouais, merci. Donc, si, en fait, c'est bon. Regardez, je peux faire un donc. Une corpo. Vous avez perdu un bonus d'influence. Oui, d'accord. Une petite corpo, ici. Vous avez gagné un bonus d'influence. Très bien. Du coup, ça valait le coup de me le dire. Je suis portable. Donc là, normalement... Ah. Faut que j'aille le chercher, le faire rapatrier. C'est pas vrai. Putain, c'est ça. Comptez sur nous. Le cessez-le-feu a expiré. Donc on a ça, je vais chercher un placement d'objets, clac. Des objets, la patate, la meuf qui gère la patate. Je crois que c'est elle, étayée. Non, pas du tout. Par contre, elle affecte ferme céréalière, affaire de poivre rouge, productivité, plus 10%, ça peut être intéressant. Gérant de peuple, on s'en branle. Propriétaire, terrien heureux. Ça donc, et ça on s'en fout. Donc ça, du coup, il faut que j'aille la porter là-bas, donc F7. Vous avez gagné un bonus d'influence. Merci, Kubilou. J'espère que je t'ai bien influencé. Il est où? Il arrive, mon clipper? Oh, il arrive. Plus vite. Oh là là. Oh, la queue de poisson qu'il vient de lui faire.
Il a mis le frein à main et tout, lui. Direct. Pion. Ok, alors. Je vous condamne aux travaux simplifiés. Ah mais non, c'est pas lui qui est mort, je suis con. On dirait notre oncle, mais en fait c'est un fils d'up lui aussi, mais lui il est pas mort, c'est vrai. Briquetier en stock d'incorporation coût d'entretien affecte quoi ? Toutes les briqueteries ? Intéressant. Intéressant. Je veux. Quête de destruction, vas-y dis-moi. Faut que je fasse quoi ? J'ai votre accord pour imprimer. Attends. Rouflaquin, qu'est-ce qu'il nous dit Rouflaquin ? Non ? Ben voilà, voilà, je te laisse. Je te fais confiance, deux secondes. Non. Oui, non, je connais pas le respect, t'as raison. Le respect est mort, je l'ai perdu. J'ai publié. Rouflaquin. Pas de correction. Mouris, sois-tu. Ouais, non, mais fais pas ton mariole. Fais pas ton mariole. Ah, mon île porte bonheur, des fois. Mais non. Non, c'est pas ton île porte bonheur. T'as halluciné. C'est la lue. Alors, on va prendre. Prête comme jamais. Prête comme jamais. Navire construit. Allez détruire ça, les potes. Merde. Mmh. Où ce qu'on est. Merde, regarde. Il va se faire fumer. Il va se faire fumer, sa race. J'irai voir le replay parce que ça a pas l'air clair. Ouais, non, c'est pas clair. Désolé. Ouh là là, mon sandwich. Pff, il a pris tellement cher direct. Un problème. Nul. Tous des nuls. Allez, ramène-moi la bouseuse là. C'était facile. Moi, je pouvais commenter de longues heures en mode beer club, mais ça pose. Mais ça bosse tôt. Ah, bon courage, mec. Bon courage, Dunky. Ça fait chier. Preuve de destruction. Objet de quête. Ok. Donc, il faut que j'aille le ramener à l'autre con, là. Oh, les voiles. Oh, les voiles. Oh, les voiles. Très bien, donc maintenant que j'ai déposé les petits pécores là. Alors, oui, ok, t'as pas accès à une route, mais ça arrive. C'est déclaré. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, là je peux. Un de vos navires est attaqué. Et donc là, normalement, je peux. Fertilité manquante, non, c'est ok. Et bien alors. Mien. Affaire classée. Yep. J'ai récupéré donc la briquetier. La terre ne peut être exploitée que si nous avons assez de champs. Nous devons les aménager. Et là, on a une corpo quelque part qui ne sert absolument à rien d'ailleurs. Donc là, l'hôtel de ville, il n'y a pas de soucis. Votre peuple se révolte. Hein ? Oh merde ! Mais non, putain, à chaque fois, j'appuie sur espace pour faire pause, mais ça marche pas comme ça. Ah ouais, d'accord. Première fois dont j'ai besoin d'un poste de police pour la première fois de ma life. Oh là là, d'accord. Ouais, c'est vrai que leur vie est un peu merdique. Hein. Ils ont besoin d'autres vies, c'est sûr. Mais ça arrive, les patates et tout, ça arrive. Une ferme et pas de champ. C'est une ferme, ta gueule, c'est pour ça. Comment je peux faire ? La population se retourne contre toi. Trouve un moyen de désamorcer la situation. Vite. Vite. Ça arrive. Regarde, ne bouge pas. Je vais leur donner de l'alcool, ça va les calmer direct. Ok, et là je pense que je peux faire un très bon coup là. En termes de... Regarde ça. Là, on est parti sur de l'optimisation d'espace. Pff, tu m'en diras des nouvelles. Bon, à 3 près. Je vais le laisser comme ça parce que c'est trop stylé. On est pas mal, là. On est pas mal du tout. En même temps, ils ont rien, mais ça arrive.
ce sont des choses qui arrivent déjà de 1. Et de 2, ça arrive, vraiment. Éteignez les meutes. Et houblonnière. Houblonnière, c'est pas là qu'il faut. Ok, donc je vais faire un autre bled à un autre endroit. Les Antares d'Entecluntas. Ils viennent toujours jusqu'à l'Ustinstu. L'incendie a été maîtrisé. Cette musique là. Donc je vais faire un truc par là mais de l'autre côté. Et je vais mettre tous les services, je vais les mettre là. Okay. T-bub. Trop de chariots. Et là il y a trop de chariots. Très bien, je vais refaire donc tout ici, je pense que je vais mettre mes trucs de production, je vais mettre toutes mes fermes par ici. Et je vais faire toutes mes trucs de transformation, je vais les mettre là. Allez, on fait ça. Donc il faut distillerie. Un petit tour distillerie. Je vais en mettre au moins 3. Voir. Là il me faut plus de gens mais. Exactement Cubilou, c'était ma chambre avec bière. C'est encore la merde ici ? Mais non, ils se font latter la gueule par la police, pas de problème. La sécurité en mode gilet jaune. Gilet jaune ! Tu honores cet immortel. C'est vrai. Je crois. Non, c'était pas là. Attends. Donc là, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, ah merde, combien ? 1, 2, 3, 4, c'est bon. Je vais les mettre de l'autre côté, comme j'ai fait là. Clac, clac. Je vais faire la même chose que le truc ici, je vais le mettre de l'autre côté. Du coup, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'un côté. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas assez de poissons, je vais rajouter une pêcherie. On n'a pas assez de monde. Cochon dans la boue. Ça donne envie.
Et les moutons de l'autre côté. Je crois que les moutons, c'est pile poil. J'avais trouvé un truc. Ah non. Comment je pourrais faire aussi pour optimiser la mer? Comme ça. Et je mets un autre truc de mouton ici. Partie sauvegardée. Ah, j'ai plus de planches. Aïe. Que diriez-vous d'une tasse de café ou de thé? Vous jouez depuis 2 heures. C'est vrai? Oh, le mec il me propose de m'apporter un café. Merci, merci Morgan Freeman. Énorme. Ah, c'est vraiment bien interactif, les jeux comme ça, à tout. Pense à tout. C'est fou. Un petit peu aller comme un gros porc. Hein. Il est vrai. Non, mais c'est vrai. Je te l'accorde. Je suis allé peut-être comme un gros bourrin. En termes de. Pénurie de main-d'œuvre. Ouais, je sais. Je viens de bourrer des gens comme ça de chez eux. Donc, oui, je me rends compte. Pas de soucis. Un autre truc, je vais leur faire apporter des planches ici, des planchas, des routes entre, alors créer la route d'affrètement entre ça, non, du bois d'abord, un port d'enlèvement, port de destination ici, et je vais lui demander d'en prendre au moins une trentaine. C'est parti. Un de vos navires est attaqué. Un de vos navires est attaqué. Merde, j'ai pas fait le bon. Ça aurait pu être n'importe qui. Un navire a été détruit. Quoi? Ah merde. Bah c'est ballot ça. Un de vos navires est attaqué. Mais attends, quoi? Je suis votre débitrice. Un de vos navires est attaqué. On va faire de notre mieux. Mais à quel endroit ça se passe, hein? Ah oui, d'accord, ça se passe là. Mais mes frégates, elles sont parties n'importe comment. Frégates de première classe. Elles étaient toutes ensemble et elles se retrouvent... Oh non, non... Yo Norva. Nice. Flawless French. Doing fine, what about you? Are you just waking up or did you just didn't not sleep? What? Or you just didn't sleep? Oh là là, ce save de bateau là-bas. Oui. Oui. Oh là là, il va prendre trop cher lui. Qu'est-ce que c'est ça? Farfadé. Nous cherchons toujours des gens de confiance.
Non. Vous mangez à tous les râteliers. Nous serons mieux sans vous. Oh, il vient de se manger, il vient de se manger le récif. Oh, le mauvais. C'est excitant. Un illustre personnage nous honore de sa présence. Ok, allez, ça dégage. Allez, rentre à la maison. Très bien, qu'est-ce qu'on a gagné ? L'enseigne. Je sais pas ce que ça fait, très bien. Un de vos navires est attaqué. Ah non, mais le tourisme, ça sert à ça, ça sert à... Finalement, à... Je viens de comprendre. Oh, on se battait encore ? Donc en fait, on n'a pas le choix. Soit on dit ok, c'est bon, on fait un cessez-le-feu. Soit on dit non, je ne suis pas d'accord et je te donne 70 000 balles. C'est, ça n'a aucun sens. Attends, du coup, je sais plus ce qu'il faut faire. J'accepte. Putain, non ! Mais ça n'a aucun sens! Waking up, nice. I was trying to remember what Mogioff told me. You're doing great. It's perfect. What a teacher, this guy. Ah voilà, maintenant ils sont contents là. Putain, je me suis encore fait avoir quoi. Je lui dis non, je veux pas ton. J'ai pas envie d'arrêter de me foutre sur la gueule avec toi. Donc là, jusque-là, ça va. Et en fait, non. C'est moi qui me retrouve à lui donner 70 000 boules. Je me suis fait avoir à chaque fois. C'est horrible. Donc là, on est bien. Je ferai des jardins plus tard, on s'en branle. Bon, ben voilà. Hein. De toute façon, après, c'est un peu straightforward. Donc on a tout ce qu'il faut. On va peut-être faire une caserne de pompiers. La pompe. Songez à tous nos bons moments. On a le pub. On a tout ce qu'il faut là. Petit entrepôt, gnagnagna, on a tout ce qu'il faut. Ubisoft Club. Ah, vous pouvez pas le voir, vous, c'est con. Tant pis. Ouvriers. Alors, les ouvriers veulent des faux fifs. On va aller se dépêcher de faire les faux fifs. Les petites faux fifs et. Du ping. You going outside and meet people? Nice. Why should we pray for you? It's gonna be fine. No? Ok, là je vais faire des petits moulings. Des moulings, j'en fais au moins un. Et une boulangerie. Voilà, boulangerie. Ici. On manque cruellement de main-d'œuvre. Enfin, fait fur.
c'est là qu'on commence. Quand on travaille dur, ça paye. Pas trop de corrections, j'espère. C'est où, Whispering Crow? Je t'ai dit bonjour, je ne sais plus. Alors. Vous tombez bien, comme toujours. Oui, comme toujours. Cette île appartient-elle à votre famille? Ces épreuves n'ont rien d'héroïque. Pénurie de rhum. Ah. Non, non, les gens sont contents. Non, mais ça plutôt. Oh, ce n'est pas non plus la fin du monde. Ah, ça peut vite être chiant quand même. Hein. Allez, si tu veux. Oh, ce n'est pas non plus. Oui. Rien d'autre? Dans ce cas, j'envoie sous place. Merci, Rouflinquin. Décarré. Imbécile, le cerisier qui fleurit en hiver. Ah, c'est bien vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. Imbécile, le cerisier qui fleurit en hiver. Ah, quel connard de ce cerisier qui fleurit en hiver. C'est le pire. C'est le pire. C'est le pire des tous les arbres fruitiers, hein, finalement. Le cerisier. Qu'est-ce que c'est con, hein, cerisier. Pff, oh là. Et again, one cookie. On manque du matériel nécessaire. Du matériel nécessaire. Elles sont pas mal, Dans le nombre de pécores qui bossent dans les champs. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. On peut faire du houblon ici. Yes. On peut faire une école. J'espère qu'ils seront ravis de cette école. Parfait. On va faire une église. J'espère qu'ils seront ravis de cette église. I saved the song from you earlier stream to my Spotify because that was good. I think it was sent Veronica by Billy Tennant. Yes. Yesterday. Where do you live, Wanakuki? Yeah, it was. You mean this afternoon? Oh, the mindfuck is real. East coast of the US, so your last stream was around 10 a.m. my time. It's currently 7 p.m. so it's not yesterday, it was today. It was this morning you meant. Je vais mettre ça là. Et je vais refaire des rangées de pécor par là. L'église si proche de l'école, on est sûr de ça? elle est où l'école? Elle est là? Ouais, j'avoue. Bah, ils font cours de catéchisme. Ils ont le droit, les enfants, d'être. Hein? Ouais? Ah, c'est facile ça, hein. C'est facile hein, de tailler comme ça. Hein. Bravo. Attends, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée encore. Oh putain. Allez, attends. Aishu d'Amido.
Tac. Ah non, ça marche pas. Ok, t'es prêt? T'es prêt? Attention, je vais t'esboubifier. Esboubifier. Non, c'est pas ça. Partie sauvegardée. Ah non, c'est nul. Mais non, en fait, c'est ça que je devais faire. Ouais, que non, non, je vais le faire comme ça. Tac. Et là, là, y a pas dû. C'est de la merde. Jardin à kiosque. Machin à jardin. On va mettre un jardin ici. Contrôle V. Non, c'est Maj V. C'est toujours le même. C'est dommage. On se fait un peu moins chier aussi à le faire, ce jardin intérieur. On fera les autres plus tard. Niveau design, on est... alors oui, je suis d'accord avec toi, Whispering Crow. Le problème, c'est que tout est quadrillé, mais en même temps, tu peux pas être super créatif parce que tu peux pas faire de rond de toute façon. Donc autant partir sur des carrés, quoi, des grilles. Et puis le jeu, de toute façon, le jeu est vraiment pas fait pour faire du joli, de l'organique, etc. Puisque, par exemple, tu vois, là, t'as 144 cases, ce qui correspond à pile poil, tu vois, un rectangle de temps par temps, et que, en fait, tu peux les imbriquer pile poil dans certains trucs, tu peux vraiment les imbriquer comme il faut à certains moments. Du coup, ça donne pas envie de faire de la merde. Trop de chariots à la fois ? Bah attends, petit level, voilà. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouh là là, on a tellement de gens. Waouh la page. On continue. Celle-là a l'air plutôt rassurante. Ah, ça c'est sûr. Allez, vas-y, prends-la si tu veux. Quand je veux une île, j'attends pas la permission du... Le mec se la raconte. Quand je veux une île, j'attends pas la permission du premier pécor qui passe. C'est sûr. Non, vous me demandez jamais hein, pour les îles. Vous me demandez absolument jamais. Non, ça n'arrive absolument jamais. Hein. Ça, c'est sûr. On n'a pas de pain ? On n'a pas de pain. Problème de pain. Je pense qu'il va falloir que je double ça. Une deuxième boulangerie, je pense. Bon. Peut-être une troisième, allez, j'en fais une troisième, je suis en fond. Comme ça, on n'aura vraiment aucun problème normalement. Ferme, c'est rare, les rares. Pour des petites céréales. Bim. Non, c'est de la merde. Oh, c'était parfait ça. Oh bim, regarde ce truc. Celle-là elle fait clac 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 clac. Et là j'ai un énorme carré pile poil. Oh, c'est tellement carré, c'est tellement beau. Enfin rectangulaire, enfin un carré, genre c'est net quoi, c'est carré. Tu m'as compris.
Ça serait pas un peu la tétrisation des jeux vidéo? C'était un peu, petit peu le corollaire. Bien sûr, mais tout à fait. Mais tout à fait. Mais allez chier dans une fiole, on verra après. Exactement. C'est pas un petit peu la tétrisation des jeux vidéo? La tétrisation. Tétrisation. Parti, sauvegardé. Et maintenant, les... Ah oui, les saucisses. Les saucisses, c'est plus important, bien sûr, les saucisses. Les faux fifs, les faux fifs, on veut des faux fifs. Donc il nous faut des faux fifs. Les faux fifs, on va les faire de faux côté. Les chariots retardés. C'est toi le retardé. Le problème, c'est que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de... Ouais. Oui. Ensuite, donc, faux fif. Et sous le tabit. J'entends à chaque fois ça. Et sous le tabit. Et ça se trouve, c'est vraiment ça, mais genre sous le tabit en latin, ça veut dire, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Endgame proof? Ah, endgame proof, d'accord. Endgame, le jeu de. Le dernier film, oui. Bravo. Alors, il est bien? Est-il bien? Réponse en oui et non, c'est seulement. Si vous en voulez pas, eh ben, partagez. Oui, possibilité d'argumenter? Non. Tu es en PVP, non. Tom Sayes. Non. Ingratitude. Non. Il me saoule là, hein, entre Miss Ching là et lui con là. Relou man plus relou girl. Insupportable boy et insupportable girl. Tu choisis leur nom. En tout cas, moi. Double saucisse, c'est double saucisse. On va aussi faire plein de ça. Vous avez franchi une nouvelle étape. Ça c'est cool. Je vais faire d'autres bûcherons aussi. J'y vais vraiment, je double tout dans ce. Le cessez-le-feu a expiré. Ça, c'est ballot, ça. Sans divulgâcher, oh mon dieu, divulgâcher, j'avais oublié ce mot. Bien sûr, le mot français pour spoiler, divulgâcher. Ah oh là 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 là. Non, 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 non. Ne pas utiliser ce mot. C'est moche quand même, divulgâcher, non? On a du calcaire, fer, du cuivre. Ah mais c'est marqué là, de toute façon, je suis con. Donc non, on n'a pas de briques. Donc oui, on va devoir faire une petite route là de je sais pas quoi là, d'affrètement pour dans les vœux-mêmes. On va modifier une route plutôt. Bah non, on peut faire ça. Pour de destination ici. Et j'affrète.
divulgaché. Ouais. Mais je vais aller le voir. Mais en fait, il y a. Enfin, ouais, bref. Je vais aller le voir aussi, moi. Je sais pas quand. C'est peut-être samedi soir. Ça me dit bien. Déjà qu'on m'a forcé à regarder le teaser ce soir. Enfin, je me suis forcé tout seul. Enfin, j'aime pas regarder les trailers maintenant. Surtout pour les films comme ça, gros budget. Souvent, dans le trailer, t'as. C'était pas trop con, t'as compris l'histoire. Hein, juste avec le trailer, du coup, c'est chiant. Ah putain, je suis niveau 16. J'avais même pas vu que j'avais un niveau. Pourquoi il descend ? Pourquoi je perds du niveau ? Population totale. Ah, c'est en fonction de la population ? C'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant. Vite fait, quoi. Hein. Mais les trailers spoilent un max. Bah ouais. Sérieusement? Attends, je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre parce que ça met trois plombes. Créer une route. Route d'affrètement. Alors, de la brique. Sélectionner l'avion en droite. Ici, quantité 25. Donc on est bien. Il nous faut du savon maintenant. Du savon. Par contre, les vêtements, pas dingue. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Les vêtements, ça craint un peu, non? Ouais, il nous en faudra une autre. Je pense que c'est là que ça bloque. Il en faut une deuxième. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Petite filature. Là. Oh, ça grouille. Mais quand est-ce que je reçois mes... Mais j'ai pas de briques. J'arrive pas à recevoir de briques. Elles sont où mes briques? Mais là, j'ai plein de briques. Mais je vends tout là, comme un connard. Les rumeurs me passent au-dessus de la tête, mais... Pour l'instant, je vends rien, c'est trop important. Ouais, si tu veux, si je vends après ça, et puis pareil pour ça, 400... Voilà. Je vais faire une deuxième pêcherie, peut-être, non? Qu'est-ce qu'il y a dit, là? Il y a tellement de choses dans tous les sens, maintenant, hein. Qui nous sauvera? J'ai peur que ma supplique... Trouver et récupérer Monsieur Joseph Jefferson, tragédien extraordinaire. Go fragile du comédien. Croule sous les éloges à l'amarrage public. À l'amarrage public. Hein? Au moins, ce n'est pas plus bondé qu'avant. Quand même, hein, y a du monde qui défile, là. C'est toujours le même groupe de vacances. Yes, j'ai trouvé. Oh, soir, j'ai gagné quoi? J'ai gagné un comédien. Nice. Super. On est bien. Ah voilà, ça y est, j'ai de la briquette. Enfin, je vais pouvoir passer en mode x2 ici. Ok, ensuite du savon. Fonderie de suif. Est-ce que c'est vraiment intéressant le savon ou c'est juste pour... Ah non, ils en ont vraiment besoin du savon, quoi.
ils ont besoin de savon. On manque du matériel nécessaire. Je vais devoir faire plein de porcs. Encore plus de peur. Partie sauvegardée. Peut-être un peu blindé. Franchement, je suis peut-être en train de me déconner fois 1000 là quand même. Parce que là, j'ai l'impression que ça va vite être blindé là sur les entrepôts là. J'ai vu la fiche, je me suis dit merde, faut que je regarde ça film avant d'avoir Avenger 4. Quoi ? Oui, du coup, je regardais le journal sur la 6 et en fait, ils disent ouais, le dernier film des Avengers est sorti et du coup, ils te balancent le truc. Il te balance le trailer, tu t'en fous en fait, mais si t'as pas envie de le voir, tu le regardes quand même quoi. C'est un peu dommage. Du coup, c'était un peu dommage. Les jeux vidéo est une fête entre potes. Une mine d'enfer. Ça y est, parti pour les mines de phare. Il y a quoi là-dedans ? C'est des ouvriers dans les mines de fer, très bien. Et dans les ouvriers, qu'est-ce que ça veut ? Une charbonnière. Charbonnière, il faut des ouvriers également. Juste. En fait, je vois pas l'intérêt, le gisement de charbon, construire une mine. Ah putain! Oh d'accord, j'avais pas compris. L'un de vos concurrents a résisté à une attaque. Ouais, mais c'est un super fait. Comment ça, c'est pas le même charbon? Ça construit. Si, c'est la même chose. C'est juste qu'à mon avis, là, ça doit produire tellement plus vite. Et un fourneau. Fourneau. Et la scierie. Ça prend tellement place la scierie en vrai. Votre ville s'est enlaidie. 328. Il me faut 328 pécores d'un coup là. Bim. C'est le moment. C'est le moment où on bourre tout ça de pécores. Alors non, peut-être pas, je vais mettre les vrais pécores, je vais les mettre là. Ouais. Alors, donc il faut que je refasse mon layout un peu. C'est vrai que ça demande un petit peu de place quoi, de main d'œuvre. Léger. On va mettre... ici. Je change encore de layout, j'ai envie. Ça marche pas ce que je veux faire.
Partie sauvegardée. Cela reflète très bien l'époque. Vous rayonnez. Ah oui, ça reflète vachement bien l'époque. Faut tout lui faire. Faut tout lui faire faire à chaque fois. Ça reflète l'époque, mais. Arrête de penser. Juste arrête de réfléchir, en fait. Arrête de réfléchir. Ça sert à rien, ce que tu fais, en fait. Austérité. Vous maniez la diplomatie avec un art particulier. Allez, content les gens. Vous savez ce que vous faites, j'en suis sûr. Absolument, ferme-la. Un cœur vicié exhale le fumet du mal. C'est toi le fumier du mal. Ah, tout se goupille parfaitement. Vous avez gagné un bonus d'influence. Cool. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. On va faire un petit truc rapide là. Brrr. Oh là là, j'ai pas assez de fringues. J'ai pas assez de fringues du tout. Non, oh, putain, les fringues. Des concurrents sont désormais en guerre. Je peux pas faire pause. À chaque fois j'appuie sur espace, je me fais avoir. A expiré. Ça déborde de partout, qu'elle dit. Ah. Comment ça ? Ça évolue pas, comme ça ? Comme des cocons pâtes. Comme des cocons potes. Comme des cocons potes. Non, je vais faire venir des... J'arrive pas à faire tenir la main d'œuvre là. Là, les vêtements. En même temps, il bosse plus là, il bosse plus, c'est pour ça. Attends, vite. Route, créer une route, vite. Attends, quoi, non. Parce que ça se trouve, c'est la merde aussi là-bas, j'ai pas envie de tout niquer. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des fringues ? Ouais, ils en ont plein. On va faire ça, clac. Une route d'effritement. Prendre des vêtements. On est là, on va là. Et on en prend une dizaine. Jafret, c'est parti. Jafret ! Et ici, là-bas, il peut pas éventuellement faire des... Oh, on veut lui en faire faire, lui aussi. Parce que c'est vraiment, vraiment pas ouf. Filature. Parfait. La boucherie, qu'est-ce qui se passe ? Stockage de sortie saturé. On est full faux vif. Soleil. La charbonnière est moins performante. Ouais, bah oui. Mais du coup, c'était pas clair parce que il te proposait. Et la production ? On est censé la stocker. Thank you.
partie sauvegardée. Ah putain, d'accord, non, non, ok. Ils avaient plus de route. C'est pour ça que tout part en couille. La route était coupée. Oh. Ah oui, d'accord. La route était coupée. Ah oui, oui, ça marche mieux là tout de suite. Ça marche un petit peu mieux, ouais. Un jour peut-être, le soleil dardera ses rayons sur. Bon, concurrent a résisté à une attaque. Je pense que là, on va. Là, je commence à fatiguer un petit peu les potes. J'ai bien envie de switch là. On est bien, je veux dire, on est bien là sur le jeu, on est cool, machin. Mais. Attends. Ouh. Forcément, ça marche beaucoup mieux là. Mais je vais pas tarder à arrêter là. Et switcher sur le jeu de votre choix, mes petits amis. Je sais pas encore quoi d'ailleurs. C'est ce que j'étais en train de me dire, un petit Tetris à la cool, ça peut être rigolo, ouais. Ou un BFV, non, je suis trop fatigué je pense pour BFV. Tetris, je vais m'endormir, je vais me prendre une bière, et on va se finir sur un jeu où, je sais pas quoi, ah ouais, quoi on pourra jouer, on va faire de la basse tranquille. On est bien là, on est pas si mal. Mais de toute façon, on en fait demain. Hein. On en fait demain de la. Du BF, on en fait demain, je crois, demain soir. Anyway, on va se focus vite fait sur la fin. Qu'est-ce que j'essaye de faire avant de partir là? Des armes, on s'en fout, des poutres, on s'en fout, la bière, c'est bien. On pourrait éventuellement commencer à faire des artisans, on est déjà pas mal, hein. Putain, on a tellement de main d'œuvre là. À la maison. C'est pour ça que je préfère filer et profiter de mes soirées. Du savon. Il nous manquait un truc pour le savon, je sais plus quoi. Ben de savonnerie. On n'a pas fait de savonnerie. LOL. La savonnerie, je vais la faire là. La savonnerie, mais pourtant, c'était pas si drôle. Sachez que la reine récompensera votre aide à sa juste mesure. Attends, je sais. Non, non. Évitez de me faire perdre mon temps. Et là, on peut faire des petites fenêtres. Celle-là a l'air plutôt rassurante. Je peux. Ah, vas-y, prends ton. Distribuer vos îles, m'en voulez pas de me servir. Ils sont insupportables. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Il me faut 8 poutres. On manque du matériel nécessaire. Il me faut du suif, donc le suif c'est ce que j'avais pas fait. Ah putain, ça coûte du métal le suif. Le machin pour faire du suif. Oui, oui, oui. Oui à quoi le Stormtrooper, tu disais oui à quoi? Le mec a dit oui, mais oui à quoi?
À la basse, si j'ai bien entendu ce mot. Ouais, mais le problème, c'est que c'est frustrant. Tu fais de la basse, et après, t'es là, tu te dis, ouais, mais j'aimerais bien la faire à la guitare, quand même, celle-là. À la basse, je me suis fait chier. C'est le problème. Ou alors, je vais me coucher. Pour une fois, je quitte le stream plus tôt et je vais en profiter pour me reposer. Ça serait pas une mauvaise idée. On fait un petit peu de replay bassiste. Non! Mais pas du tout. J'ai refait un deuxième fourneau. Oh. Ah putain. 100 pélos pour faire un fourneau. Ih. Faut tellement de métal. Putain. Le festival est terminé. Et en plus, j'étais en train d'y penser tout à l'heure et j'ai complètement zappé après de l'opposer. Merde. Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Ah d'accord. Votre ville s'est enlaidie. Le cessez-le-feu a expiré. Fallait tenter le coup. Il nous fallait bien ce souci. Attends. Vous inventez au fur et à mesure. Hissez le drapeau corsaire. Vous avez raison de jouer la prudence. C'est toujours au pire moment qu'ils viennent tous te harceler avec leur, leur truc là. C'est vrai que là tout de suite. Ça donne pas envie hein. D'accord, je viens de comprendre aussi. En fait, on pouvait totalement débloquer, donc débloquer le palier supérieur, on peut totalement le débloquer en ayant des artisans répartis sur plusieurs îles. Voilà, donc là, on en a déjà 900, c'est-à-dire plus de la moitié. Il nous en faut 1500. Ça pourra aller relativement vite. Attends, on va accélérer, c'est chiant. L'incendie a fait des ravages. Ah bah oui, hein, c'est un incendie, hein, ça fait pas du bien. Hein. Bah en parlant de... Oui, attends, je vais en mettre partout alors. Parce que c'est vrai que j'avais un peu oublié. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un là. Voilà, ça ne mange pas de pain. Manque de rien. Est-ce que j'ai des fenêtres? Il n'y a pas assez de main. Ça arrive. Un dernier coup d'œil. Un dernier coup d'œil. Vous tombez bien, comme toujours. Une ville impie. Faute d'église. À Roden Range, les rumeurs vont bon train, la ville serait un lieu de... Ah ouais, d'accord, bah je vais mettre une église. Pendant compte, tu mets pas ça dans le journal. En vrai. Les fesses alternatives ont du bon, parfois. Les fesses alternatives ont du bon. Entendu. Nous ferons les modifications de... Bonne nuit, Apo, merci encore. Merci encore, Apo. Enfin, c'est... rien d'autre. C'est pas vraiment ce mérité.
Ah ouais, d'accord. Bah, jamais je pourrais l'avoir. Vos journaux pour manipuler ? Ah, pour manipuler ? Non, je parle de moi. Hein. C'est le merci est mérité. Très bien, mais pour vrai trésor. Mais moi, je sais pas. J'ai pas compris aujourd'hui, les gars. Nouveau succès. Propaganda. Ah. Le succès, c'est surtout d'avoir un mec aussi relou à la direction de mon journal. Le festival est terminé. Je devrais avoir une médaille pour ça. De toujours pas l'avoir tué. De peut-être pas l'avoir encore tué. Ils me saoulent avec leurs yeux, putain! C'est insupportable. Il faut 20 fenêtres. Mais c'est énorme. Et il faut tellement de trucs en vrai. J'ai le devoir de prendre soin de vous. Un de vos navires est attaqué. Qu'est-ce qui se retrouve encore là? Ils partent tout seuls mes navires. De nouveaux ordres, amiral. C'est un peu nul. Attends, je peux le réutiliser? Oh. On a subi des dégâts, amiral. Ah, c'est pas mal hein, ce que je leur mets là. Attends, j'ai pas un truc. Une frégate de première classe. Piou. Oh, ce que je leur ai mis. Et c'est incroyable ça, le mortier. Hein. Trop fort. Si vous en voulez pas, eh ben, partagez. C'est trop injuste. Bon, voilà fortuit. Obus en mélinite. Pénurie de main d'œuvre. Jamais entendu ce truc. Mélinite, dégâts au voilier, plus 50% du raid disparaît après utilisation. C'est ballot ça. La flotte se déplace. Si je donne, c'est mérité pour toi. Bah, c'est gentil, mais. Whatever. On va pas épiloguer. Donc, baf. Et baf. On a pas assez de fenêtres. Pourquoi les fenêtres, ça met 3 plombs à arriver. Je crois qu'on va en faire une. Je vais en faire une deuxième. Ah ouais, non, ça. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est. Il faut quoi là? Il faut des ouvriers. Je vais faire un deuxième truc de silice. Non. Je vais faire un deuxième truc de fenêtre, je pense. Ah putain, non, j'ai pas de truc de fenêtre. Ah, j'ai fait des verres, mais j'ai pas fait la vitrerie. Suis-je bait? C'est donc pour cela. Il me faut 16 poutrelles. 16 poutrelles métalliques. Ouais, je sais bien, mais ouais, bon, ok. Je ne discute pas avec vous. Parce que si je discute avec vous, bah, je sais pas. Je sais pas comment finir cette phrase. ouais, on est bien. Je pense qu'on est bien. Ça commence à avoir une petite gueule, hein, notre emplacement. Je pense qu'au bout d'un moment, on va prendre ça. On va le faire exactement pareil ici. On fera un autre endroit, on fera exactement pareil ici. Et on aura genre. Et on va partir sur un petit Tetris YouTube. Je te fais des bisous, YouTube. Oh, comme d'hab, pouce bleu, commentaire, la cloche. Viens nous voir sur Twitch. Et puis je te fais des bisous. Partie sauvegardée. J'espère que tu auras apprécié la VOD. Et si jamais tu n'apprécies pas, dis-le dans les commentaires. Si jamais tu apprécies, dis-le dans les commentaires aussi. C'est toujours intéressant.
À bientôt.